a des moments dans une vie professionnelle qu'on n'oublie pas. J'étais formatrice d'enseignants. Le sujet du jour était « Comment faire pour aider tous les élèves à apprendre ?» J'animais la formation quand une jeune enseignante, la trentaine environ, 5 ans d'expérience, assez nerveuse, m'interrompt et lâche « De toute façon, moi, je ne sers à rien. » Les élèves qui réussissent à apprendre, ils y arrivent très bien sans moi. Et ceux qui n'y arrivent pas, je ne réussis pas à les aider. C'était pas fini. Sa voisine, plus expérimentée, qui avait l'air beaucoup plus sûre d'elle, se tourne vers elle avec un petit sourire en coin et ajoute « Tu sais, moi, ça fait 20 ans que c'est comme ça. » Ce que ces enseignantes ont exprimé s'appelle le sentiment d'impuissance. Je pense qu'elles ont dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le sentiment d'impuissance est tellement sérieux que l'OCDE l'a mesuré dans l'une de ses enquêtes internationales. Et en France, la situation est loin d'être rose, puisqu'une grande majorité d'enseignants considèrent que leur métier n'est pas valorisé par la société. Chez moi, en Belgique francophone, le moral des enseignants n'est pas meilleur. Le sentiment d'impuissance a des conséquences graves. Il produit de la souffrance au travail, il rend difficile de recruter des enseignants ou de les garder dans la carrière. Mais comment en est-on arrivé là? Je crois que pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Souvenons-nous, nos systèmes scolaires, lorsqu'ils se sont développés au début du XXe siècle, avaient pour objectif d'enseigner au plus grand nombre. Sur le modèle de la révolution industrielle, on a standardisé. Un prof, une heure, une classe de 25 à 30 élèves, une leçon, simple, efficace, la même chose pour tous. En gros, le prof enseigne, les élèves apprennent. Ou pas pour certains d'entre eux qui vont s'acharner à coups de profs particuliers, quand papa et maman peuvent payer, ou qui vont quitter le système scolaire et entrer dans la vie active. Mais petit à petit, le malaise a grandi parce que de plus en plus d'enfants ne parvenaient pas à apprendre. On s'est mis à parler d'échec scolaire. Quel terme terrible. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y avait de plus en plus d'élèves à l'école et qui y restaient de plus en plus longtemps. Les parents avaient bien compris que sans diplôme, pas de salut. On a appelé cela la massification de l'enseignement. Mais alors, face à cette massification de l'enseignement et l'augmentation de l'échec scolaire, est-ce que les enseignants ont changé la manière de faire leur métier? Pas vraiment, pas beaucoup. Aujourd'hui encore, l'enseignant a comme souci majeur d'appliquer les programmes, puisque c'est ce qu'on lui demande. Aujourd'hui encore, l'enseignant enseigne. Certains élèves apprennent, beaucoup n'apprennent pas. Alors lesquels n'apprennent pas? Eh bien, tout d'abord, ceux qui ne disposent pas des codes sociaux et culturels de l'école, les enfants défavorisés. Également, ceux qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement, par exemple les primo-arrivants. Ceux qui ne maîtrisent pas l'entrée dans l'écrit, vous savez, les dyslexiques, l'entrée dans le nombre, les dyscalculiques, l'entrée dans l'orthographe, les dysorthographiques. Ceux qui ne maîtrisent pas leur attention des heures durant, les TDAHA. Même ceux qui ne maîtrisent pas la vitesse de leurs apprentissages, les élèves surdoués ou, comme on dit en Belgique, à haut potentiel. Les élèves qui ne contrôlent pas leur peur maladive de l'échec, les phobiques scolaires. Les élèves qui ne maîtrisent pas leur envie furieuse d'aller voir dehors ou sur Internet le monde qui s'agite plutôt que de rester à l'école, tous ces élèves démotivés. Alors évidemment, on ne peut pas les laisser tous sur le bord du chemin et de toute façon, la pression des parents sur l'école est de plus en plus grande. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que pour que ces élèves-là apprennent, il faut faire l'inverse de la standardisation. Il faut que les enseignants adaptent
leurs apprentissages, adaptent leurs méthodes à chacun. En gros, ils doivent changer de métier. C'est bien de dire ça, mais comment les y aider? Alors moi, pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'il fallait aider les enseignants à devenir des praticiens réflexifs. Joli mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les aider tout simplement à mobiliser des connaissances scientifiques récentes, leur expertise dans le quotidien de leur métier. Avec cette idée-là, j'ai écrit des articles, des livres, j'ai donné des conférences. Et dans l'une d'elles, je ne sais plus si c'était sur la motivation, la spirale de l'échec ou l'estime de soi, un enseignant très fâché lève la main et dit « Ok, c'est très bien là tout ça, mais moi, tout seul, dans ma classe, avec mes élèves, je fais comment ?» Quand vous êtes face à une salle pleine de profs, il faut trouver quelque chose à répondre. Alors je l'ai regardé et j'ai dit « Mais ça, moi je ne sais pas. C'est vous le professionnel, c'est vous qui devez construire les réponses. » Un peu court. Mais j'ai pris au sérieux ce que m'a dit cet enseignant, et d'autres d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de pouvoir mettre les mains dans le cambouis comme conseiller de la ministre de l'Enseignement en Belgique francophone. Alors quel était le problème? Chez nous en Belgique, pour personnaliser les apprentissages, on utilise une stratégie pédagogique un peu particulière, le redoublement. Ben oui, quand un élève n'apprend pas au même rythme que les autres, c'est simple, il recommence son année. Vous utilisez ça aussi en France. Mais nous sommes les champions du monde. En terminale, 60% de nos élèves ont au moins une année de retard. 30% deux années de retard. Et on utilise le redoublement dès la grande section de maternelle. D'abord, c'est inefficace. En plus, ça coûte extrêmement cher. Mais surtout, ça mine l'envie d'apprendre de très nombreux élèves. Donc évidemment, la ministre souhaitait qu'on s'attaque sérieusement au problème. Dans ces cas-là, dans la plupart des cas, on met en place un projet pilote. Nous avons donc demandé à une équipe de chercheurs de travailler très étroitement avec 10 écoles pour les aider à utiliser des outils pédagogiques, des jeux de lecture, de calcul, d'écriture, afin de permettre aux enseignants de porter un autre regard sur leurs élèves, d'identifier leurs forces, leurs compétences, plutôt que de se centrer sur leurs lacunes, leurs faiblesses. Ça a plutôt bien marché, mais nous avons calculé que si on voulait toucher tous les enseignants de Belgique francophone, il allait nous falloir un siècle, et je n'ose pas vous dire combien de millions d'euros. Il nous fallait absolument trouver une autre démarche. Nous avons alors proposé de construire une communauté de pratique que nous avons appelée la communauté d'écolage. Les écoles étaient libres de s'y inscrire librement. Pourquoi faire ? Pour y trouver des outils pédagogiques, ces jeux dont je vous ai parlé, mais surtout pour se les approprier lors de formations, lors de temps d'échange entre enseignants, mais également avec la direction de l'école, les psychologues scolaires, d'autres enseignants, afin de construire collectivement des réponses concrètes au quotidien dans leur classe. Mais la plus grande innovation de la communauté d'écolage, à mes yeux, c'est que nous avons également mobilisé la deuxième ligne, les conseillers pédagogiques, les formateurs d'enseignants, les inspecteurs, les services de l'administration, même l'équipe du cabinet. Nous avons travaillé tous les mois afin d'identifier les besoins concrets des acteurs de première ligne, d'évaluer ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, d'identifier les innovations qu'ils avaient mis en place, de développer un discours commun. Alors vous allez me dire, c'est bien, une communauté de pratique, ça a l'air intéressant, mais est-ce que ça marche? A-t-on des chiffres? Oui, 3 ans plus tard, les statistiques du ministère montrent que le redoublement en grande section de maternelle a diminué de moitié et qu'il a tendance à diminuer significativement dans l'ensemble des années de l'enseignement élémentaire. Mais moi, il y a un autre chiffre que je préfère.
On espérait une centaine d'écoles dans la communauté de décollage. On en a eu 300, trois fois plus, une sur six. Et la moitié des centres psychomédico-sociaux qui travaillent avec les écoles et qui ont un rôle fort important dans les décisions de redoublement. Nous avons également eu de beaux succès d'estime. Même un syndicat enseignant a plébiscité la démarche décollage dans sa revue mensuelle. Et l'OCDE a sélectionné la communauté décollage avec quatre autres réformes pédagogiques pour la faire analyser en profondeur par des experts afin d'inspirer d'autres systèmes scolaires. Moi, ce que j'ai retenu de plus important de cette expérience avec la communauté décollage, j'ai envie de vous le faire partager ce soir. Je veux prendre très au sérieux ce sentiment d'impuissance des acteurs de première ligne. Pour cela, je suis convaincue qu'il faut investir dans cette deuxième ligne, une deuxième ligne solide, que j'appelle les intermédiaires en éducation. Ce sont des agents de changement extraordinaires, la communauté décollage me l'a montré. Mais ils sont trop peu nombreux, trop mal formés. Ils n'ont pas suffisamment de temps pour travailler avec les enseignants. Ils doivent développer des méthodologies nouvelles, efficaces. L'avantage, c'est que cette deuxième ligne ne coûte pas très cher et qu'elle a des effets démultiplicateurs. Et oui, quand vous touchez un enseignant, vous espérez toucher 25 à 30 élèves. Quand vous touchez un formateur d'enseignants ou un conseiller pédagogique, vous en touchez 2500, 3000. Mais surtout, vous installez de manière durable des pratiques professionnelles qui soutiennent ces acteurs de première ligne avec nos enfants.